on sait jamais ça. C'est pas la vie d'une patiente. Qu'est-ce qui vous a pris? Je savais qu'on pouvait le faire. Ce n'est pas votre place. Mais pourquoi? Depuis le temps que... Comment on fait ça? Vous ne m'avez jamais fait... Vous n'êtes qu'une infirmière. Mon assistante, rien de plus. Elle serait morte sans moi! Contentez-vous de faire ce que je dis! Mais vous vouliez que je fasse quoi? Que je la laisse comme ça pour ne pas vous importuner? Vous pourriez au moins être reconnaissant. Vous savez très bien ce qui se serait passé si on avait échoué. Vous n'avez aucune fleur à vous lancer. Nous prenons tous des risques, surtout elle. Faites attention en sortant. Les Allemands, il est tard. De quoi s'agit-il? C'est mon assistante, je ne lui cache rien. Allez-y. On m'a fait savoir que vous étiez la personne à qui s'adresser en cas d'urgence. Tout dépend de l'urgence et du « on ». Qui est-ce? Combien de temps? Trop de temps. Madame Chauvelot, vos connaissances peuvent s'en charger. Il ne pratique pas ce genre d'opération. Je ne peux rien pour vous. C'est la loi. Et je n'enfreins pas la loi. Mais je crois savoir que... Anne va vous raccompagner. Au revoir, madame. J'ai une autre encyclopédie de médecine à vous faire lire, si ça vous intéresse. Pourquoi vous l'avez renvoyée? Comme je l'ai dit, je ne peux pas me permettre de prendre des risques. Mais nous l'avons souvent fait. Je ne m'en souviens pas. C'est une collabo. On fait de la médecine, pas de la politique. Vous n'êtes qu'un lâche. Je peux vous aider. Je l'ai souvent fait. Je sais le faire. Lui, il changera pas d'avis. Attendez! Excusez-moi, je dois... C'est ça où la police débarque. Je suis désolée.
Je vais y aller. Apportez-moi mon sac, je vais vous payer. Ah non, non, je veux juste vous aider. Il y a bien quelque chose qui vous ferait plaisir. Non, je vous assure. Prenez-les. J'y tiens. Et si vous n'en voulez pas, ça s'échange très bien au marché noir. Ne vous inquiétez pas trop, rien de grave. Merci. Pensez à vous hydrater. Merci. C'est important. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir. Anne, concentrez-vous. Anne, bonsoir. Bonsoir. Entrez, entrez. Merci d'avoir accepté mon invitation. Venez que je vous présente. Joseph est un grand chirurgien. Il doit se rendre à Caen. On a besoin d'hommes comme lui en ce moment. À peine arrivé à Berlin que déjà je dois retourner au four. C'est terrible. Excusez-moi, Anne. Comment vous êtes-vous rencontrées toutes les deux? C'est elle qui m'a recousu quand je me suis blessée. Je t'en avais parlé. Je ne savais pas que j'avais en face de moi une femme médecin. Il est vrai que c'est assez peu commun. Berthe m'a beaucoup parlé de vous et de ce que vous avez fait pour elle le mois dernier. Ce n'était pas si compliqué. Nous savons tous les deux quel genre d'opération vous avez pratiqué. Mais vous avez du courage et de grandes capacités. Nous avons besoin de gens comme vous. Le Führer a besoin de tout le monde. N'est-ce pas, chérie? Je parlais d'un point de vue médical. Vous souhaitez toujours exercer la médecine? Joseph aurait besoin d'une personne de confiance. Quelqu'un qu'il formerait, mais sur qui il pourrait s'appuyer et à qui il donnerait des responsabilités. D'une véritable associée. Votre intervention sur mon ami était une chose difficile. Vous avez fait preuve d'un vrai talent. Vous me seriez très utile là-bas. Commencez par lui retirer les morceaux. Vous pourrez le recoudre ensuite. Vous allez nous suivre, gentiment. Et vous êtes qui? Oh! Au nord et au nord-ouest de Novo-Sokolniki, l'armée rouge a occupé plus de 80 localités. Dans la guerre d'ici. On attend le patron. Le correspondant du Times à Moscou annonce que parmi les 2000 prisonniers faits au cours de la nouvelle offensive russe, près de Kovel, se trouvent des hommes appartenant aux 18e et 19e divisions hongroises. Le maréchal Staline
dans son ordre du jour de samedi, avait annoncé la déroute de ses deux divisions hongroises. Avant cette déclaration, affirmant la présence de forces hongroises sur la ligne de front, le gouvernement hongrois avait démenti la participation des troupes hongroises. Docteur Meunier, je... Anne. Il déclarait que... Vous avez choisi votre camp. Quoi, mais... Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis infirmière, je veux devenir médecin. Docteur Meunier, je... Taisez-vous! Emmenez-la. Marche un peu et tu trouveras un village un peu plus bas. Elle doit marcher encore longtemps ?